Paul Cunningham. J'étais engagé hier par... C'est drôle, mais j'ai oublié son nom. Ne m'en veuillez pas. Le jour où je débute, je suis un peu nerveux. C'est le patron qui m'a engagé. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Je suis au courant. Il m'en a parlé. Sylvia. Miss Sylvia Payton. Enchantée de faire votre connaissance, monsieur Cunningham. Vous voulez bien suspendre votre manteau? Je vais vous montrer ce que vous aurez à faire. Je suis désolé d'être en retard, Miss Payton. Je me suis trompé de ligne. Mais vous verrez, en général, je suis plutôt du genre ponctuel. Oh, ce n'est pas grave. Mais arrangez-vous pour que cela n'arrive pas trop souvent. Il est très strict sur le chapitre de l'exactitude. Et maintenant qu'il m'a nommé responsable de tous ses services, naturellement, je ne lui dirai rien pour ce matin. Je vous en suis très reconnaissant. N'en parlons plus. Vous savez, ce n'est pas moi qui lui ai demandé d'être nommé responsable. Je n'aime pas dire aux gens ce qu'ils ont à faire. C'est dans ma nature, je suppose. Donnez-moi votre sac de déjeuner, monsieur Cunningham. Je vais le mettre dans le classeur. C'est là que je range aussi le mien. Merci. J'ai vraiment eu de la chance de trouver ce travail. Je suis des cours du soir, et il y a un tas d'entreprises qui ne vous prennent pas quand elles le savent. Vous devez être quelqu'un de très ambitieux. Qu'est-ce que vous étudiez? Le droit. Encore 2 ans et je devrais avoir mon diplôme. Pourtant, j'aimerais déjà y être. Ce doit être extrêmement difficile de travailler et de suivre des cours en même temps. Ce n'est pas facile, mais ça, c'est l'avantage. Quand j'aurai terminé, j'aurai la satisfaction de savoir que je me suis fait moi-même, de ma propre sueur et de mon propre argent. La plupart des types de mon âge ne peuvent pas en dire autant. C'est bien vrai. Tenez, j'ai un oncle qui est avocat, et en plus un avocat rudement célèbre, Francis T. Cunningham. Demandez à n'importe qui dans les milieux judiciaires qui est Francis T. Cunningham, et on vous dira ce qu'il vaut. Bien, si je le voulais, j'aurais qu'à prendre ce téléphone, faire son numéro, et je n'aurais plus à m'en faire. Mais ce n'est pas mon genre, non. J'y arriverai tout seul, ou pas du tout. Je trouve que vous avez entièrement raison. Vous savez, à une époque, je sortais avec un garçon. Oh, rien de sérieux. Enfin, ça aurait pu l'être, mais... Alors, je ne vais pas vous raconter tout ça maintenant. Bref, son père lui payait ses études de médecine. Il n'avait pas besoin de gagner un sou lui-même. Croyez-vous qu'il a fini ses études? Ce qui s'est passé, c'est que son père s'est remarié, a cessé de lui donner de l'argent, et il a été complètement perdu. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Et elle nous remplace le caractère. C'est ça, exactement. Bon, nous ferions mieux de nous mettre au travail avant qu'il ne se mette à crier. Nous lançons une campagne de publicité, et c'est un travail très important. C'est sans doute pour ça qu'on vous a engagé. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons taper le nom et l'adresse des clients possibles sur ces cartes de correspondance. Le texte publicitaire est imprimé au verso. Nous trouvons les renseignements dont nous avons besoin directement dans l'annuaire du téléphone. N'oubliez aucun nom. Descendez bien toute la colonne. Il vérifie tout et il peut être vraiment mauvais quand il en a envie. Bon. Je viens juste de commencer les A, donc vous allez commencer... Les B. Voilà, comme ça, nous serons sûrs de n'oublier personne. Ça a l'air plutôt facile. Ça l'est, et on finit par le faire sans même y penser. Allez, première carte, première faute. J'ai peur de m'être un peu rouillé. Il y a longtemps que je n'ai pas tapé à la machine. Non, ne la jetez pas. S'il voyait ça, il se mettrait dans tous ses états. Au début, il faut que vous tapiez plus lentement. Appuyez-vous bien contre votre dossier. Et frappez chaque touche avec la même cadence régulière. Comme ça. Mieux! Bien mieux! Ne bougez pas la tête. Gardez les yeux fixés sur les renseignements que vous frappez. Vous êtes vraiment gentil de m'aider comme ça. C'est un plaisir, monsieur Cunningham. Paul. Paul. Ça, c'est pour moi. En général, il ne m'appelle pas si tôt. Continuez votre travail, Paul. Il est furieux quand il n'entend pas taper ses machines à écrire. Il veut sans doute savoir pourquoi nous avons mis tant de temps à nous mettre au travail ce matin. Ne vous en faites pas. Je vous couvre. Merci pour tout, Sylvia. C'est tout naturel, Paul.
Sensible, et en partant, vous faites exactement ce qu'il désire. Vous croyez qu'il a fait exprès? Pourquoi vous aurait-il engueulé sans ça? Ah, j'aimerais mieux mourir que de lui faire ce plaisir. C'est ce qu'il avait dans la tête. Il peut toujours courir. Je m'en irai quand j'en aurai envie, moi. Pas lui. Voilà qui est bien dit. Job, c'était chez une certaine Mrs. Jameson. Elle était myope comme une taupe. Vous savez ce que nous faisions? Chaque fois qu'on le pouvait, on lui cachait ses lunettes quelque part dans le bureau. Le temps qu'elle les retrouve pendant 2 ou 3 jours, nous n'avions plus rien à faire. Nous passions nos journées assis à discuter. J'ai travaillé dans une compagnie d'assurance, juste après mon bac. Il y avait là un chef de service, un certain monsieur Williams, qui avait des mains volontiers baladeuses, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Bon, et bien un jour qu'il m'expliquait comment frapper une police d'assurance, il laisse tomber ses mains, comme par hasard, sur mes épaules. Alors, je me suis retournée, je l'ai regardé dans les yeux, et je lui ai craché en pleine figure. Mais on vous a renvoyé, je suppose. À vrai dire, nous nous sommes très bien entendus par la suite. De bien récemment. J'ai lu un très bon roman policier la semaine dernière. Ça s'appelait Meurtre à Bombay. Moi, je préfère les romans de science-fiction. Puis-je vous poser une question? Bien sûr, qu'est-ce que c'est? Si vous aviez à choisir entre gagner 1 million de dollars ou bien perdre une jambe,
Qu'est-ce que vous préféreriez? Jambe droite ou jambe gauche? N'importe laquelle. Je choisirais le million de dollars. Moi pas. Je garde la mes jambes. Je suis né dans un quartier pauvre de Brooklyn. Mes parents s'engueulaient sans arrêt. J'ai eu une enfance malheureuse. Je n'avais ni frère ni sœur. Il n'y avait qu'une ou trois dans cette vieille maison délabrée, avec les chats qui pleuraient et hurlaient toute la nuit dans l'impasse. Pourquoi mes parents se sont-ils mariés? Je n'en sais rien. Et pourquoi sont-ils restés ensemble aussi longtemps? Je n'en sais rien non plus. Ils sont séparés maintenant, mais ça n'a plus grande importance. Ils étaient aussi différents que deux personnes peuvent l'être. Tout ce qui intéressait mon père, c'était qu'on le laisse tranquillement fumer sa pipe en écoutant la radio. Ma mère, c'était une jolie femme qui s'habillait bien, elle aimait sortir et s'amuser. J'étais coincé entre les deux, et ils tiraient chacun de leur côté. Je ne pouvais pas parler à l'un sans que l'autre m'accuse d'être un ingrat. Je ne pouvais pas toucher ou embrasser l'un sans avoir peur que l'autre me voie et qu'une dispute éclate. Je n'avais personne à qui me confier. J'ai grandi en espérant qu'il arriverait une sorte de miracle. Je me souviens d'un après-midi. Je rentrais à la maison après l'école. Je devais avoir 12-13 ans. Il y avait cet homme dans le salon avec ma mère. Il ne faisait rien. Simplement, ils étaient assis et ils parlaient. Et j'ai senti qu'il se passait quelque chose. J'ai eu l'impression que ma respiration s'arrêtait. Je suis sorti dehors en courant et j'ai vomi sur le trottoir. Plus tard, je me suis juré que je ferais en sorte qu'il arrive un miracle. Que plus jamais je n'aurais à faire ce que je n'avais pas envie de faire. Que je n'aurais plus à être là où je n'avais pas envie d'être. Que je pourrais être moi-même sans avoir peur. Mais c'est dur. Quand on a une histoire familiale comme la mienne, on a un handicap. C'est comme si vous étiez né deux pas en arrière du type d'à côté. Ma famille n'a jamais eu de problème d'argent. Dans ce domaine, nous avons eu beaucoup de chance. Mon père gagnait bien sa vie. Enfin, tant qu'il était en vie. Il est mort quand j'avais 17 ans. Lui et ma mère, on peut dire que c'était un ménage vraiment heureux. En tout cas, s'ils étaient fâchés, nous ne nous en apercevions jamais. Et ça, c'est une bonne chose pour les enfants. J'ai une sœur, Charlotte. Elle est plus âgée que moi. Elle est mariée maintenant et nous ne nous soucions guère l'une de l'autre. Mais quand nous étions enfants, vous ne pouvez pas savoir comment ça se passait. Chaque fois que nous nous disputions, mes parents lui donnaient raison. J'avais toujours tort. On lui donnait tout ce qu'elle voulait, quoi que ce soit. Et je devais me contenter de ce qui restait. C'était vraiment intenable. Bref, mon père a eu une longue maladie avant de mourir. Il avait cette bague. Une bague magnifique. Avec une grosse pierre d'onyx. Et quand j'étais petite fille, j'aimais beaucoup jouer avec. Je fermais un œil, je la regardais par transparence, et je voyais des centaines et des centaines de merveilleuses étoiles rouges et bleues. Mon père m'avait toujours promis cette bague. Il m'avait toujours dit qu'elle était à moi. J'étais absolument sûre qu'il me la donnerait avant de s'en aller. Mais il n'en a rien dit. Pas un mot. Plus tard, j'ai revu cette bague. Vous savez où je l'ai revue ? Au doigt de ma sœur, il la lui avait donnée. Non. À mon avis, ce n'est pas le genre d'histoire familiale qui vous laisse beaucoup de possibilités de vous développer.
Je ne pardonnerai jamais à mon père. Jamais. Et je ne pardonne pas à ma sœur. Ma mère, que j'entretiens maintenant en travaillant très dur, continue à dire que j'ai tort. Vous allez souvent au cinéma? Pas très souvent. Moi non plus. Vous aimez regarder la télévision? Je n'en ai jamais l'occasion. Rappelez-vous, je suis des cours 5 soirs par semaine. Mais ma femme la regarde. Elle fait que ça d'ailleurs. Je ne savais pas que vous étiez mariés. Cette machine n'arrête pas de faire des fautes, je n'avance pas vite. Laissez-moi voir ça, s'il vous plaît. Voyons, ça peut être gommé. Nous ne voulons pas qu'on gâche du matériel utilisable. Ce n'est pas dans les habitudes de la maison. Ok, ce n'est pas la peine de vous mettre en colère, je vais le gommer. Je ne suis pas en colère, mais je suis responsable de ce qui se passe dans ce service. J'en ai assez de couvrir toutes vos erreurs. Ah, tout le monde doit penser que je suis un tapis qu'on peut piétiner. D'abord c'est lui, et maintenant c'est vous. Auriez-vous l'obligeance de me dire de quoi vous parlez? Vous savez parfaitement de quoi je parle. Voilà comment on me remercie. Je suis bien récompensée d'essayer de rendre service et d'être gentille avec les gens. Je sais, j'ai tort. J'ai toujours tort. Quoi que je fasse, c'est moi qui ai tort. Eh bien, monsieur Cunningham, j'en ai assez, plus qu'assez. Et je n'admettrai plus rien de votre part, ni de la part de qui que ce soit. C'est fini, fini! Oui, bonjour, je voudrais parler à Francis T. Cunningham, s'il vous plaît. De la part de qui? De Paul Cunningham. Allô, oncle Franck? Comment allez-vous? Tout va bien? Tant mieux. Oh, tout se passe bien de mon côté, je continue à bûcher. Je me suis trouvé un nouveau job, tape à la machine, du travail de bureau. Oh, juste de quoi ne pas mourir de faim. Mon oncle, vous ne pourrez pas me donner un coup de main? C'est trop dur pour moi, je ne peux pas avoir un boulot et suivre des cours 5 soirs par semaine, ça me crève. Je sais, mais je pensais que si vous pouviez me trouver un travail à mi-temps dans votre bureau, peut-être l'un de vos amis, si vous leur en parliez. Oui, évidemment. Je comprends. Parfaitement. Transmettez mes salutations. De m'être mise en colère, Paul. Cela n'arrivera plus. N'en parlons plus. Vous êtes devenu un expert sur cette machine. Je suis au moins expert en quelque chose. Quelque chose qui ne va pas? Non, mais j'étais en train de penser. Pourquoi est-ce que je m'éreinte? Des cours presque tous les soirs. Les week-ends, je reste chez moi à étudier. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai pris des vacances normales. Et à quoi bon? On ne jeûne qu'une fois. C'est maintenant qu'il faudra en profiter. Je ne suis pas sûre que vous ayez raison, Paul. Vous pourriez sans doute bien mieux profiter de la vie si vous étiez avocat.
C'est pour ça qu'il faut faire quelques sacrifices maintenant. Voilà le genre de raisonnement qui ne mène nulle part. Si l'on vous suivait, tous les avocats seraient des hommes heureux. Pas du tout. La vie n'est pas faite comme ça. Vous pouvez être un terrassier et être heureux si vous savez vivre. Je vous le dis, j'en ai assez. Un type dans ma situation doit savoir prendre parti de ce qui s'offre à lui. Il doit être pragmatique et regarder les faits en face. Voici la carte que j'ai jouée. À partir d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce travail. Je vais lui montrer que je me donne à fond et peut-être qu'il me donnera autre chose à faire. Qu'il me donnera de l'avancement ou une augmentation. Et pourquoi pas? Une maison de cette importance a toujours besoin d'hommes qui n'ont pas peur du travail. Écoutez, j'ai deux gosses à la maison, faut que je pense à vous. Vous avez deux enfants? Et comment? Je ne perds pas de temps. Tenez. J'ai leur photo sur moi. Nous avons prise l'été dernier. Eh bien, grandissez-vous. Ils sont très beaux, Paul. Comment s'appellent-ils? Franck et Sally. Mais le petit, nous l'appelons Buddy. Il déteste que nous l'appelons Franck. Un drôle de numéro. Et ils sont pas si mal pour un type comme moi. Vous savez ce que je vais faire, Syl? Je vais aller le voir tout de suite et lui demander quelles sont mes chances d'avancement. Après tout, je peux aussi bien régler ça maintenant. Franchement, un peu plus d'argent ne me ferait pas de mal. Je suis écrasé de dépenses. Si nous avions un syndicat dans cette boîte, on pourrait faire quelque chose. Et il n'est pas dit que je m'en occupe pas, tu sais. D'après vous, comment faut-il mieux l'aborder? Franchement, Paul, je n'en sais rien. Il est si imprévisible. Mais comme il ne porte pas ses lunettes, c'est mauvais signe, ça, je le sais. Les lunettes. Compris. Souhaitez-moi bonne chance. J'espère que vous obtiendrez un résultat. Maman, c'est Sylvia. Non, je vais bien. Le lampadaire est arrivé? Bien. Simplement, fais bien attention quand il arrivera qu'il ne soit pas abîmé. Tu auras signé un papier, ça voudra dire que tu l'auras examiné. Regarde-le soigneusement. S'il n'est pas du tout abîmé, tu peux signer. Mais s'il y a le moindre défaut, refuse de signer et dis au bonhomme de le remporter. Tu m'as comprise? Bon, je l'espère. Est-ce que j'ai reçu des appels? Je n'ai pas dit qu'on devait me téléphoner. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai simplement posé la question. Bon, ça ne fait rien. Ce n'est pas important. Charlotte a téléphoné? Comment va-t-elle? Oh, arrêtez de dire des bêtises. Vraiment, c'est impossible. J'ai quelque chose samedi prochain. Oh non, c'est sérieux. Bon, eh bien, peut-être dimanche. Téléphonez-moi chez moi. Très bien. Bye. Ça se présente bien, très bien. Il envisage de faire quelque chose. Il dit qu'ils auront peut-être besoin de quelqu'un au service des ventes. Je suis le premier de la liste. Effectivement, ça semble bien se présenter. Et pour l'augmentation? Bon, il dit qu'il faudra que j'attende un peu, mais je l'aurai. Je lui ai fait une certaine impression. Surtout quand je lui ai dit que j'avais une expérience juridique. Vous auriez vu ses yeux s'agrandir? Bon, ce n'est qu'une question de temps. Mais quand j'aurai démarré, vous verrez, il faudra se lever tôt pour me suivre. Vous avez vraiment de l'ambition, Paul. Écoutez, je n'ai pas l'intention de travailler toute ma vie ici ni dans une autre boîte. Je vais ramasser un petit paquet, et puis bonsoir à la compagnie. Il existe, de l'autre côté de cette fenêtre, un monde avec des milliers de choses à voir et à faire. Et je les verrai, je les ferai toutes, sans exception. Vous verrez. Oui. Il y a un million de choses différentes à faire dans le monde. S'allonger au soleil. Danser. Voyager. Porter de belles robes. Se balader. Rencontrer des gens intéressants. Des montagnes, un endroit avec des montagnes. Oh, Paul! Je suis si pleine du désir de vivre, de découvrir le monde, de rire. Oh, j'ai besoin de rire, Paul! Thank you.
À quelle heure déjeunons-nous ? Nous pouvons déjeuner quand nous voulons. Mais je déjeune habituellement vers 1 heure. Plus on attend, plus l'après-midi est courte. Et si on attendait jusqu'à 1h30 ? Ce n'est pas facile. Je sais. Mais alors nous n'aurions plus que 2 heures à passer. L'après-midi filera à toute vitesse. Qu'en dites-vous ? Je ne dis pas non, si vous êtes d'accord. Marché conclu. Déjeuner à 1h30. 1h30. C'est ça. Vous savez, je commence déjà à avoir faim. Moi aussi. Je n'ai pas eu le temps de prendre de petit déjeuner. J'ai bu une tasse de café noir et c'est tout. Qu'est-ce que vous avez apporté pour déjeuner ? Un sandwich au thon avec des tomates et de la mayonnaise, une orange et une part de gâteau à la crème. Et vous, qu'avez-vous apporté ? 2 sandwichs à la dinde et une pomme, je crois. 1h30 ? C'est ce dont nous sommes convenus. Nous sommes allés dans le quartier chinois le week-end dernier. Quel repas nous avons fait! J'adore la cuisine chinoise! Je suis sortie une fois avec un garçon qui savait parler chinois. Si vous aviez vu les choses qu'il a commandées, les plats les plus fantastiques, avec des foies de poulet, des champignons, des amandes. Ah, les Chinois savent faire la cuisine, d'accord. Mais pour ce qui est de la vraie cuisine, personne ne vaut les Italiens. Il y a ce restaurant où nous allons dans le West Side, vous devriez goûter leur veau parmesan ou leur poulet cacciatore. Et avec les pâtes, ils font de ces sauces, on pourrait... Je pense que je vais manger maintenant. Vous faites un accord, non ? Non mais ne faites pas l'enfant. Si j'ai envie de manger tout de suite, je mangerai tout de suite et puis c'est tout. Vous les femmes, toutes les mêmes. Hein. Aucune volonté, aucune discipline. Bon, allez-y manger, ce n'est pas moi qui vais vous retenir. Mais moi, je ne reviens pas sur ma parole. Je n'ai pas dit que j'allais manger, monsieur Cunningham. J'ai simplement dit que je pensais à manger. Écoutez avant de parler. Et si vous voulez savoir encore quelque chose, je pourrais sans doute attendre plus longtemps que vous. Je pourrais même me passer de déjeuner. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Vraiment ? Absolument. C'est ce que nous allons voir, mademoiselle, le chef de service. Ah, vous êtes jaloux. Vous transpirez la jalousie. Je suis chef. De ce service tout entier. Mon Dieu, je me souviendrai de celle-là toute ma vie. Croyez-moi, monsieur Cunningham, ce n'est pas moi qui lui demandais d'être nommé responsable. Je n'ai pas dit où est-ce qu'il doit faire, je demande à Dieu. Continuez sur ce ton-là, monsieur Cunningham, et vous ne travaillerez plus longtemps ici, c'est moi qui vous le garantis. Allez-y, allez lui répéter, vous me rendez service. Comment ? Vous voulez dire qu'un homme qui a votre expérience juridique, vos projets et vos ambitions, me demande un service à moi ? Miss Payton, vous me fatiguez. Je pourrais vous en dire autant, monsieur Cunningham. Vous serez bien au-dessous de la vérité. Vous me rendez malade. Eh bien, pourquoi ne partez-vous pas ? Pourquoi pas vous ? Je ne vous ferai pas ce plaisir. Je ne vous ferai pas non plus ce plaisir. Mon Dieu ! Qu'est-ce que je fous là ? Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, et non, fichtre non ! Je me demande si cet homme sait ce dont il a envie ! Il faut que je le sais. Et vous savez quoi, Miss Payton ? Vous savez ce que j'ai réellement envie de faire, ici même, dans ce bureau. Je voudrais vous arracher les vêtements que vous avez sur le dos l'un après l'autre. Je voudrais planter mes doigts dans votre chair et sentir votre corps se briser et se couvrir de sueur sous le mien. Vous me comprenez, Miss Payton ? Vol ! Cette envie me dévore depuis le premier instant où je vous ai vu. Je vous veux, Miss Payton, tout de suite, immédiatement, sur le plancher, criant à plein poumon et battant l'air de vos jambes. Je ne pense pas à autre chose depuis que je suis devant cette stupide machine à écrire. Je n'ai pas eu autre chose en tête. Voilà. Maintenant, vous savez. Oh, et à quoi croyez-vous que je pensais, Paul ? Mon corps souffre de vous désirer. Combien de fois n'ai-je pas fermé les yeux, espérant que vous feriez quelque chose, au lieu de rester assis là, comme une statue de pierre. S'il... Oh, Paul ! Il faudra que je prévienne ma mère. Oh, avertissez votre femme. Oh, je serai bonne pour les enfants, je vous le promets. Vous voulez que j'avertisse ma femme ? Bien sûr. Nous allons nous marier, n'est-ce pas ? Sylvia, écoutez-moi. Nous allons nous marier, n'est-ce pas ? Oh, au diable tout ça, je vais manger. C'est ma faute, je sais.
Vous n'avez pas besoin de me le dire. Non, ce n'est de la faute de personne, c'est parce que les choses sont comme ça. Est-ce que je peux vous rapporter quelque chose? Je ne mangerai pas. Comme vous voudrez. Vous êtes sûr que vous n'avez besoin de rien? Très bien. Sylvia. Non, ça va. Je suis en train de déjeuner. Le sandwich est parfait. Est-ce que la table est arrivée? Comment est-elle? Tu es sûre? Elles sont parfois abîmées par le transport. As-tu regardé soigneusement? Bon, je l'espère. Est-ce que j'ai reçu des appels? Non, je n'en attendais aucun. Je demandais seulement. Qu'a dit Charlotte? Ah, c'est bien d'elle. Elle pourrait venir au moins une fois par semaine pour voir comment tu vas. Très bien, très bien. Fais comme tu l'entends. Je suis trop fatiguée pour discuter avec toi. Comment vont les enfants? Ah, c'est bien. Une moyenne de 85 ne signifie pas qu'il est un génie, non, en aucune manière. Oh, je ne dis pas qu'elle a des enfants idiots, mais ça m'agace quand tu les portes ainsi au nu. Je te le répète, une moyenne de 85 n'est pas de l'ordre du génie. On demande à n'importe qui dans l'enseignement. Ah bon, n'en parlons plus. Tout à l'heure. Bah bien sûr que je rentre à la maison, veux-tu que j'aille? C'est ça. Au revoir. Anna Robinson, au numéro 4 de la 32e rue Est, dans la ville et l'état de New York. Oh, j'espère que vous passez une bonne journée, Mrs. Anna Robinson. J'étais contente de vous parler. Et qui se présente là? Oh, c'est Mr. Arnold Robinson. Au 32 Lexington Avenue, dans la ville et l'état de New York. J'étais si heureuse de parler avec vous, Mr. Robinson. Transmettez mes meilleurs souvenirs à toute la famille. Comment? Mais est-ce que ce n'est pas Mrs. Beatrice Robinson? Habite, voyez-vous ça, par avenue, dans la ville et l'état de New York. Faut-il que vous nous quittiez déjà, Mrs. Robinson? Toujours vos mauvaises habitudes, Sylvia. Ce n'est
c'est pas comme ça que vous garderez la ligne. Ne vous en faites pas pour ma ligne. Occupez-vous plutôt de la vôtre. Argument sans réplique. Tenez. Je vous ai rapporté du café. Merci. Quel temps fait-il dehors ? Un peu frisquet, mais on sent le soleil, c'est agréable. Je me suis promené jusqu'au parc. Je n'ai jamais vu autant de gens assis sur les bancs à se chauffer au soleil. Je donnerais cher pour savoir comment ils font. La plupart sont probablement aux frais de l'État. Et nous travaillons pendant qu'eux se chauffent au soleil. Et si vous voyez les voitures que certains possèdent... Vous n'avez pas besoin de me le dire, je le sais bien. J'ai lu dans les journaux que vers l'an 2000, les gens ne travailleront plus que 3 heures par jour et 3 jours par semaine. Ça m'avance à quoi ? Nous pourrions essayer d'entrer dans un syndicat. Vous en connaissez un qui ne soit pas corrompu ? Mon Dieu, comme je voudrais que cette journée soit finie. Ce sera bon de pouvoir enlever ses chaussures. Je me laverai les cheveux et je ferai un peu de repassage. Pas de rendez-vous ce soir ? Ne vous moquez pas de moi, Paul. Syl, je pense à une chose. Depuis que je n'étais encore qu'un gosse, j'ai toujours pensé que je voulais être indépendant. Vivre ma vie à moi, sans m'embarrasser de responsabilités ni d'une famille. Je suppose qu'au fond, tout ceci me faisait peur. Et voyez-vous, tout ce que j'ai fait dans ma vie m'a éloigné de ce que je voulais être quand j'étais gosse. Je me suis marié dès que j'ai pu, j'ai eu des enfants tout de suite. Je me suis mis dans une situation si difficile que je n'ai pas pu faire mon droit. Je n'ai pas pu vivre le genre de vie que je croyais désirer. Je me suis demandé récemment ce que je voulais réellement. Vous savez quelle est la réponse, Syl ? Quelle est la réponse incontestable ? Ce que je voulais, c'est ce que j'ai, ce que je suis. Peut-être que tout ce que je voulais, c'était de pouvoir me prendre en pitié moi-même. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il veut, Paul ? Pas vous ? Non, plus maintenant. J'ai cru que je savais, exactement comme vous. Mais si c'était ce que je voulais, pourquoi en suis-je là aujourd'hui ? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas ? Je m'étais juré qu'à la première occasion, je romprais avec ma mère et ma sœur, que je n'aurais plus rien à voir avec elles et que j'y trouverais mon bonheur. Mais je suis là, habitant toujours avec ma mère. Et tous les jours, je demande des nouvelles de ma sœur. Ce qu'elle fait, comment va son mari, les enfants. Et je m'en fiche, mais alors, complètement. Il y a un tas de choses dont je me fiche complètement. Si l'examinons cela de près, c'est important. J'ai toujours dit qu'il n'y a rien de plus important que d'arriver à se connaître soi-même. Quand on pense que la plupart des gens vivent toute leur vie sans se comprendre eux-mêmes, sans arriver vraiment à se connaître eux-mêmes, ça frise le ridicule. Vous avez absolument raison. Essayons de voir ce qu'il y a derrière tout ça. Étudions ça un moment. Très bien. Allons-y. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi dites-vous que quitter votre famille vous rendrait heureuse ? S'il n'y avait que ça, vous auriez pu les quitter il y a longtemps. Non, il y a quelque chose que vous cachez. Vous ne dites pas la vérité. Si tout ce que vous vouliez, c'était de pouvoir vous plaindre vous-même, vous n'aviez qu'à vous asseoir dans un coin et vous plaindre vous-même. Voilà tout. Mais non, ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est ? Que cachez-vous ? Le fait demeure que ce qui arrive à votre famille vous importe bel et bien. Cela vous importe beaucoup. Énormément. Vous vous mettez exprès dans des situations où vous êtes obligé d'échouer. C'est pour ça que vous téléphonez tous les jours et que vous demandez chaque jour des nouvelles de votre sœur. Comment se fait-il que je ne vous ai jamais entendu dire que vous aimiez votre femme ? Vous avez besoin de maintenir les liens. Pourquoi vous êtes-vous mariée si jeune ? Vous avez plus besoin d'elle qu'elle n'a besoin de vous, parce que vous n'avez jamais atteint un développement émotionnel suffisant pour oublier le passé et commencer une nouvelle vie pour vous-même. Pourquoi n'avez-vous pas attendu d'avoir fini vos études, ce qui vous aurait donné de bonnes chances de réussir ? Tout simplement parce que vous aviez besoin de quelque chose qu'elle pouvait vous donner. Cela n'avait rien à voir avec la bague de votre père. Vous vous en êtes servi comme un prétexte. Maintenant, nous approchons de la vérité. Nous y sommes. Il fallait que vous vous précipitiez dans le mariage, que vous ayez des enfants et que vous chargiez d'un fardeau de responsabilités impossibles, les choses même dont vous aviez peur. Elle seule pouvait vous donner ce dont vous aviez besoin, personne d'autre, pas même un mari. Vous deviez échouer, car ce que vous vouliez, ce n'était pas avoir pitié de vous-même, mais que les autres aient pitié de vous. C'est pourquoi vous ne vous êtes jamais marié. Maintenant, nous approchons. Pour que les autres vous plaignent et vous traitent comme un enfant. Vous avez pris ça pour de l'amour que vous attendiez d'eux.
celui que vous n'avez pu recevoir de vos parents. C'est bien ça, Syl, vous aviez besoin d'amour. Vous aviez besoin d'amour, naturellement. Vous comprenez maintenant, Syl? Tout est tellement clair. Quand on en connaît un peu sur soi-même, on peut commencer à en faire quelque chose. Vous savez, quand j'y pense, ma situation est bien plus enviable que la vôtre. Pourquoi ça? Ben, j'ai tout de même un chez moi, je suis marié et j'ai des enfants. On peut dire que j'ai accompli une part importante de ma vie. Ça ne tient pas debout. Croyez-vous qu'il faut des compétences particulières pour se marier et avoir des enfants? Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui auraient été rudement contentes si elles avaient pu se marier. Est-ce à moi que vous faites allusion, monsieur Cunningham? Je n'ai cité aucun nom, il me semble. Mais si vous vous sentez visé... Prenez-le pour vous, Miss Payton. Ne me faites pas rire. Si j'avais à choisir, et je vous assure que ce n'est pas le cas, j'aimerais beaucoup mieux rester célibataire que forcée de continuer un mariage malheureux. Mariage malheureux? Mais où avez-vous été chercher ça? M'avez-vous jamais entendu dire une chose pareille? Je ne suis pas aveugle, monsieur Cunningham. Nous savons tous les deux que si vous l'aviez pu, vous l'auriez quitté depuis longtemps. N'importe quoi. C'est parfaitement exact. Eh bien, pour votre information, Miss Payton, ma femme est la meilleure. Vous entendez? La meilleure. C'est la femme la plus respectable que j'ai jamais eu le bonheur de rencontrer. Allons, monsieur Cunningham. Et toujours pour votre information, je ne l'échangerai pas contre une douzaine comme vous. Vous ne le pourriez pas. Dieu soit loué. Enfin, un moment loin de vous. Vous croyez que j'ignore ce qui se passe là-dedans? Quelles sont ces nouvelles divagations? Allez-y, entrez. J'entends votre petite amie halter derrière la porte. Jaloux? De vous. Ce ne serait pas la première fois. Salope. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous auriez intérêt à vous calmer. Barbara, Paul, comment vont les enfants? Tant mieux. Bon, un peu toujours la même chose. Écoute, Barbe, je suis désolé pour hier soir, j'avais un peu trop bu. Non, ne commence pas à m'excuser, je voudrais simplement que tu saches que je ne pensais pas un mot de ce que j'ai dit. Je pense beaucoup de bien de toi, tu sais, Barbe, et je te respecte, je t'ai toujours respecté. Quand je vois, c'est lui aussi qui me fait parler. Je vais m'arrêter de boire, je te le promets. Tu me pardonnes, n'est-ce pas? Alors, je veux te l'entendre dire, je t'en prie. Merci. Écoute, Barbe, je vais essayer de rentrer de bonne heure et nous ferons quelque chose ensemble. Quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial. Parfait. N'oublie pas. À tout à l'heure.
vous tapiez des copies de ceci. Il les attend. Qu'est-ce que c'est ? Vous m'avez parfaitement entendu. Bon. Vous pouvez retourner là-dedans et lui dire d'aller au diable. Je ne suis pas sa secrétaire. Pourquoi n'allez-vous pas lui dire vous-même ? Ça, c'est une bonne idée. C'est une sacrée bonne idée. Mr. Thomas Weaver, au 424 Harley Street, dans le Bronx, New York. J'espère que vous passez une bonne journée, Mr. Thomas Weaver. Et qui se présente maintenant? Ah, c'est Miss Finale Weaver, du numéro 78. De l'avenue Monroe, dans le Bronx, New York. Tenez, voilà ce que j'en fais de votre boulot, espèce de salaud. Pourquoi n'allez-vous pas voir votre petite amie maintenant? Vous le trouverez caché derrière son bureau. S'il était resté debout comme un homme, vous lui aurez reçu mon poing plein de figure. Vous avez démissionné? Que croyez-vous que j'ai fait? C'est de me faire avaler ça à moi. Je suis pas sa secrétaire, je ne l'ai jamais été. Vous m'entendez, espèce de salaud? Je ne suis pas votre secrétaire et je ne l'ai jamais été. Je vous en prie, Paul, calmez-vous. Vous avez assez d'ennuis comme ça. Des ennuis. Ah, ça, c'est la chose la plus drôle que j'ai jamais entendue. Vous avez devant vous un homme libre, Miss Peter. Un homme libre et indépendant. Voilà des années que je ne me suis senti aussi heureux. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Me mettre à vivre, déjà. Me mettre à être de nouveau moi-même. Me mettre à être de nouveau un homme. Vous savez ce que signifie être un homme, Miss Payton? On rencontre plus d'hommes de nos jours. Ils ont tous peur. Peur de dépenser un dollar, peur de leur ombre, peur de perdre leur boulot. Et ben voilà, je ne lèche les bottes de personne. Qu'est-ce que vous en avez comme ça? Ça? Ça, c'est une vieille habitude. Ça vous dit de trinquer avec moi? Non? Ça m'aurait étonné. Paul, arrêtez, ça ne vous ressemble pas. Comment savez-vous à quoi je ressemble? Comment quelqu'un le saurait? Nous vivons tous seuls, Miss Payton. Nous vivons tous seuls dans un monde cruel de solitude. C'est bien vrai. Tenez, vous savez ce que je vais faire? Ma parole, je quitte tout. Je laisse tout tomber. Le premier quart qui partira vers l'ouest demain, vous savez qui le prendra? Et moi, vous pouvez parier. Bon, ça suffit, vous en avez assez bu comme ça. Écoutez, ce n'est pas un coup de tête et ce n'est pas le whisky qui me fait parler non plus. J'y pense depuis bien longtemps. Cette ville pue. On ne trouve ici que de la fumée, du bruit et de la corruption. Je ne sais pas où ce quart va m'emmener, mais je n'en descends pas avant d'avoir trouvé un endroit avec beaucoup d'air pur. Beaucoup d'espace, et des montagnes aussi hautes que possible. Quand j'aurai trouvé cet endroit, je descends, et j'y reste. J'ai toujours rêvé d'aller dans un endroit comme ça, depuis mon enfance. Un endroit loin de tous les gens et de toutes les choses que je connais. Vous le pensez vraiment? Je donnerais tout pour ça. Si. Oui, Paul. Nous nous entendons bien, n'est-ce pas? Nous nous entendons extrêmement bien. Que de fois n'ai-je pas eu envie de vous prendre dans les bras et de vous tenir? Si seulement vous l'aviez fait, Paul. Il n'est pas trop tard, n'est-ce pas? Non, non. Oh non! Nous deux, ensemble. Oh, Paul! Je suis si heureuse. Je vais appeler ma mère. Et vous appelez votre femme. Oh, faisons-le de la manière la plus douce pour tout le monde. Je ne veux pas qu'on puisse nous en vouloir. Vous voulez que j'appelle ma femme? Bah bien sûr, idiot! Nous nous marions, n'est-ce pas?
Sylvia, vous ne comprenez pas. Nous nous marions, n'est-ce pas? Ah, et puis à quoi bon? Je sais, c'est ma faute. Quoi que je fasse, quoi que je dise, c'est ma faute. Non, c'est ma faute, Sylvia. J'étais un paresseux et un égoïste toute ma vie. Je n'ai jamais rien fait qui vaille un pet de lapin. Et maintenant... Oh mon Dieu! Mais Paul, arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je m'en fiche? Ma vie est finie! Ma femme, cette garce, elle peut aller au diable! Mais les gosses, Sylvia, je les aime, ces gosses! Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je n'ai plus de boulot, je n'ai pas d'argent de côté, pas un sou! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai voulu prouver? Pourquoi n'allez-vous pas lui parler? Présentez vos excuses! Dites-lui n'importe quoi! Vous êtes l'un des meilleurs dactylos qu'il ait jamais eu. Ne l'oubliez pas. Croyez-vous que j'ai une chance? Ça, je sais taper à la machine, ça, personne ne peut dire le contraire. Tenez, regardez, Sylvia, regardez. Vérifiez, pas une seule faute. Et ceci, Sylvia, regardez ceci. Je sais, Paul, vous êtes très fort. Vérifiez. Et ceci, c'est bien. Regardez. Non, mais c'est assez, Paul, je vous crois. Je sais ceci. Que vous pouvez... Ah, ah. Descendez, descendez. Vous êtes très fort, vous êtes très fort. Droit à tout ce que je peux leur donner, c'est de... Je les aime, ces gosses. Je sais. Maintenant, laissez-moi vous arranger un peu pour que vous soyez présentable quand vous irez le voir. Restez tranquille. Arrêtez de bouger. Il ne me donnera jamais une seconde chance, pas après ce que je lui ai dit. Vous entrez et vous lui parlez, c'est tout. Voilà. Maintenant, vous êtes présentable. Et je vais ranger ici. Et nous ferions mieux de nous débarrasser de ce qu'il y a dans cette bouteille. Fini pour moi, j'ai mal son. Je l'espère. Eh bien, allez, entrez. S'il... Je veux simplement que vous sachiez ceci. Si je retrouve mon travail, vous allez voir du changement. Paul Cunningham a enfin mûri. Entrez. Non. Pas avant de vous avoir remercié pour tout ce que vous avez fait. Je n'ai absolument rien fait, Paul. Oh, si. Je ne pourrais jamais assez vous remercier. Avez-vous jamais réfléchi, Syl, à ce qui se serait passé si nous nous étions rencontrés tous les deux avant que je n'épouse Barbara? Oh oui, Paul. J'y ai pensé bien des fois. Syl, écoutez-moi. Ah, je vous en prie, ne recommençons pas. Allez-y, allons. Thank you.
c'est bon. Il m'a repris. Oh, je suis si contente pour vous. Il l'a même fait très gentiment. Il s'est contenté de m'écouter et il m'a dit « C'est compréhensible, M. Cunningham. Nous avons tous nos problèmes. » Il sait être gentil quand il en a envie. Nous avons tous nos problèmes. Ce n'est pas un imbécile. Au contraire, il comprend bien les choses. Nous devrions lui acheter quelque chose, un petit cadeau de la part du personnel. Quelque chose pour lui montrer que nous ne sommes pas des ingrats. Bonne idée. Bon, si nous nous y mettions. La journée est presque finie. Oui, il n'y en a plus pour longtemps. Qu'y a-t-il de si drôle, Paul ? Mademoiselle le chef de service, je me souviendrai de celle-là toute ma vie. Croyez-moi, monsieur Cunningham, ce n'est pas moi qui lui ai demandé d'être nommé responsable. Je n'ai pas dit aux gens ce qu'ils doivent faire. Nous avons tous nos prétentions, Paul. C'est bien vrai. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh non, j'étais en train de penser à un garçon avec qui je suis sortie autrefois. Le chinois ? Quel chinois ? Ah non, je ne connais pas de chinois. Oh, ce garçon était un vrai comique. Il pouvait vous faire rire rien qu'en vous regardant. Je ne vous avais jamais dit, Syl, que j'avais pris des leçons de chant dans le temps ? Non. Si, quand j'avais 8-9 ans. Je ne savais pas ça. Way down upon that Swanee River, far, far away. Vous avez vraiment une belle voix. La 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 la. Chut, pas trop fort. La 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 la. Sylvia, il est 5h12. Oh, nous ne nous arrêtons pas d'habitude avant moins 10, Paul. Je sais, mais je pensais... Ce ne serait pas convenable. Vous avez raison, comme d'habitude. Maintenant, Sylvia ? Il reste, je dirais, encore une minute. Maintenant, Sylvia ? Oui, maintenant. Je sois libre. Je suis fatiguée. Un bon bain chaud et ensuite au lit. Culotte de golf pure laine, vente directe au départ de l'usine à des prix extrêmement avantageux. Des culottes de golf. Nous vendions des culottes de golf. Allons. Il faut tout ranger.
Il n'y a plus beaucoup de gens qui portent des culottes de golf de nos jours. Elles sont chaudes pourtant, et pratiques, elles sont très pratiques. Là, laissez-moi vous aider. N'est-il pas encore un peu tôt, Paul ? Juste le temps de se préparer. Quelle heure est-il, Paul ? Je n'ai pas l'impression qu'il soit 5 heures. Encore 2 minutes. Il est l'heure. Oh, j'ai une si mauvaise mémoire, Paul. Comment s'appelle ce nouveau ? Smith ou Stone ? Je n'ai jamais eu la mémoire des noms. Allons tout de même lui dire au revoir gentiment. Bonsoir, bonsoir là-dedans. Passez une bonne soirée. Bonsoir. Je vous raccompagne jusqu'au métro, Sylvia ? Oh, ce serait vraiment gentil, Paul.